faut savoir, ça fait plus de 20 ans que je viens ici et que je regarde les démos. Et aujourd'hui, je vais échauffer le mec qui fait la démo. Il a plus de 7 minutes, c'est quand même. Bonjour. Théo, tu fais quoi? Oh mec, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est dans la vidéo. Déjà? Tu m'as fait venir, tu m'as dit prends le train, telle heure. Vidéo YouTube. Et quelle heure là? 11h. Oh mec, ça y est, c'est l'heure. On va se lever pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Bon, et voilà, après ce jeu d'acteur digne d'un César, récompense meilleur espoir masculin, n'hésitez pas à mettre un com. On se dirige vers les courses, non, on doit retrouver Julien Suel, qui sera du coup dans cette vidéo. On doit aller chercher mon frère à la gare, on doit aller faire des courses. Il y a François Calabin, qui a toujours rien à dire à mon avis. Donc voilà, on est à Colmar, pour le top de Colmar. Et vous allez pouvoir vivre ce week-end avec nous, tous ensemble. On est vraiment dans le speed, on y va. Il y a pas de guess. Non mais ça va, c'est compliqué dans le facile. Écoute. On va prendre la voiture à François qui est plus grande. Okay. On va récupérer Charlie à la gare. Okay. Et on va aux courses et on revient. Tu vois ça marche. Pourquoi Charlie là, à quelle heure? C'est la meilleure chose à faire. Introduction, le revoilà, le Dubai Yacht. Après des heures de voyage et à l'autre bout de la planète, le revoilà Julien Suel dans les vidéos. Spécialement pour... Pour ceux qui suivent les vidéos depuis un moment, vous le connaissez. Pour les nouveaux, du coup, bah... Voilà, c'est lui. Tu m'as je t'ai introduit. Donc Julien, mon ancien coach, avec qui on a fait beaucoup d'aventures. Moult péripéties. Ouais, moult péripéties et aventures. J'ai l'air même vécu chez lui un petit moment. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, un petit moment, ouais. Il est de retour pour ce week-end, parce qu'il a des athlètes aussi pour la compète. Ça va être l'occasion de, de bien rigoler, quoi. Je pense, ouais. L'occasion d'occasionner, quoi. L'occasion qui fera de la roue. C'est ton sac, ça? Ouais. Le gars, il part à l'autre bout du monde avec un sac ISPAC. Ah, tu veux que je crache du feu? Non, je suis perdu du feu. Bah si, on est perdu de toute façon. Je me dis, il me manque un truc dans ma poche. Alors, c'est pas du tout un bon conseiller. Si, ouais. Non, écoute-le. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Il va t'amener que des bonnes choses, tu vois. Là, c'est vraiment le bon moment de ta vie pour moi. Super, il y a des places dans le coffre. Ouais, tu peux y aller si tu veux. Il y a un cadavre, mais ça va. Peut-être deux à la fin du week-end. Ça sent une sacrée histoire, ça. Je sens que c'est une aventure encore... Bah, trip à Colmar, quoi. Pleurant des fesses. Lui, maintenant, il se marre, tu vois. Je me suis déconnecté des émotions, maintenant, ça va mieux. Quoi. Ah ouais. Ah. Alex. Il est allé dans le bureau l'autre jour, hein, quand on est allé à l'Arnold. Avec Alex, du coup, qui a dû se faire contrôler deux fois. Contrôle, t'as eu sa gueule. Là, il est rasé, tout machin. Ouais. Il était comme ça, fatigué. Je me dis, mec, on aurait dû un trafiquant, quoi. Ouais. Il dit, ouais, je suis dans le bureau, là. J'ai dit, ok, vas-y. Bah, je t'attends. Hein. Je t'attends, ouais, je te rejoins pas. Putain, merde. Putain, alors, moi, je suis... Oh. Hey, j'ai coaché Théo Le Guerrier, j'ai fait passer pro à Las Vegas il y a 4 ans. Ça claque en plus. Le à Las Vegas en plus, ça claque. Ouais, c'était il y a 4 ans, non? Ouais, plus que ça, 2018. Ça fait au moins 2 ans, j'ai dit il y a 4 2018. Ans. 2018. On est en 2024. Ça fait 6 ans, alors. Ouais. Le temps passe. Hein. Le temps passe, genre, c'est pas une bonne chose, quoi. Ouais. Oh, on en a fait les merdes, hein. Ouf. François, t'as un truc à dire? Ouais. Il m'a bien remplacé quand même, hein. Au pire, on le ramène, hein. C'est jusqu'au 31. Tu veux qu'on fasse une vidéo là-dessus ou pas, hein? Mec, je t'explose. Ouais, grave. Je t'explose. Ouais, cherche pas. Je sens que ce week-end, il va être... Non? Ouais, ça va, ça a volé ou tout ça. Ouais. Du coup, je me dis que ça peut faire une bonne vidéo, quoi. Il peut y avoir un bon esprit, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Avec le petit interlude musical, du posing. Ça ira en impro un peu? Ouais. Comme d'hab. Après, des fois, on est surpris, hein. C'est comme ça que ça sort le mieux, hein, finalement. Bah, franchement, tu te rends pas compte, je crois. Trees are in green.
The ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This might be a surprise. Où sont les poils? Les poils? Je sais pas, mec, j'habite pas ici, hein. Attends, j'habite pas là, hein. Ah non, voilà. En bas. Ah non plus. Non plus. Je refroidis. En bas. Où? Non. Ah. Ah, 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 ah. Casserole. Des poils casserole. Ouais. C'est un wok. C'est un wok. Bah alors faire une omelette avec un wok. Pourquoi? Une omelette roulée. Ah attends, c'est bon. Bon attends, ça me permet de pas mourir de faim. Et c'est bien le principal. En fait, François, c'est sa baraque. Bon, quand on sait pas, on demande à François. François, il ne parle pas beaucoup, mais il nous donne les bonnes infos. On devrait peut-être être un peu plus comme François. Ça nous aurait peut-être évité quelques problèmes. Non, par contre, ça manque. Moi, je veux pas dire, mais ça manque un peu de musique. Bah, c'est pour ça, on va remédier à ça. Je vais bientôt m'y mettre à YouTube aussi. Ouais, j'ai hâte de voir ça, tiens. Tu verras. Mais le mec, il me parle. Genre, il l'a mal pris. Tu verras. Mais je suis sérieux, hein. Mais je sais bien que t'es sérieux, mais j'ai hâte de voir ça. C'est plus l'ancien Julien qui est en face de toi. J'ai hâte de voir ça. Ah putain. Tu sais pas. Ah, t'es toujours meilleur. Je suis plus le même, hein. Ah bah j'ai bien vu, ouais. Bon les gars, on se prépare, hein, pour la démo. Il y a la team Verdelais Bruni, c'est ça? Bruni, Verdelais. Il y a la team Soulami Nutrition. J'ai vu d'ailleurs dépanner du pré-workout à tout le monde. Ça, ça marche vraiment bien. Non, en plus, hein, c'est vrai. Hein. Citrulline. Pour un bon pré-workout. Arginine. Tu veux pas nous dire à quoi sert l'arginine? Non, j'ai pas envie. Bref, ça va être très bon pour la circulation, la vasodilatation. Un micro aussi, un pré-workout. En ce moment, j'utilise celui-là. Tsunami pur. Si tu veux être un pur... Un pur tsunami. Un pur tsunami. Un peu de créatine et on est parti, les gars. On va se boire tout ça et on va décoller. Hein. Allez. Charlie, t'es prêt pour ta démo? Oublie pas, mange... C'est la petite recharge. Ah oui. Recharge le cookie. Non, brownie. Pousse les papas. Allez, faites ça. Ça y est, nous voilà, One Fitness à Colmar. On arrive pour l'événement. On va faire normalement un petit entraînement, un petit meet avec tout le monde. Donc rencontrer tous les gens qui sont là, machin, etc. On va voir ce que ça a donné. Pas de workshop cette fois-ci, parce qu'il risque d'avoir du monde et du monde un peu partout, comme les gens viennent pour la compétition demain. Donc voilà, on va essayer de s'entraîner un petit peu avec tout le monde et puis rencontrer, entre guillemets, tous les abonnés. Salut. Ça va? Ça va? La femme? Ouais, ça va. Il y a un peu de monde là? Ouais. Salut, ça va? C'était cool. Ouais. Ah, cool. Ouais, on se voit partout. Ouais, ça va? Ça va? Il y a... La femme? Ça va. Toi, t'as réclaté. Hein? T'as réclaté. Ça va. Merci, c'est cool. Hein. Je prends en photo. Bien sûr, on peut prendre une photo. Il y a aucun problème. Si tu veux, voilà. Enfin, voilà, tu. Comment ça fonctionne, tu vois? Et puis sur le bouton, quoi. Ouais, C'est lundi. Bon, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus. Je vous invite tous, du coup, à aller dans l'espace musculation pour ceux qui veulent venir faire une petite rencontre avec moi, qu'on échange un petit peu. Même aussi s'entraîner tout simplement et voir 2-3 techniques. En tout cas, si ça vous intéresse. Bonne soirée à tous. Vous êtes entraîné aujourd'hui? Ouais, ça roule. On doit faire, je pense, une petite séance bras. Comment je vais faire circuler tout ça? Mon coude il bouge pas. Si je fais ça, vous voyez, tout de suite je suis beaucoup moins sur le triceps. C'est tout pour moi, merci. Non, vous avez pas me dire. Surtout, si vous avez besoin de rien, je peux lui demander. Non mais sérieux, si vous avez une question, peu importe, faut pas hésiter quoi.
Là, là-dedans, j'ai des glucides. Tu peux avoir de la malto, du vitargo, moi j'ai de la cyclodextrine. C'est un glucide qui est, comment dirais-je, qui est plus assimilable en fait, tu vois, par rapport à la malto, machin, etc. Donc ça compte pas du tout le système digestif, rien. Et ça a vraiment une rapidité d'action, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Et je mets avec ça tout ce qui est, tous les acides aminés. On va aller en fait curler tout simplement avec les haltères comme ça. I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour, got me counting down the hours. Thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realize they all some fucking cowards. The world is ours. Me and my brother twin like the towers. And we want it now, never later, no more favors. Done with all these traitors who be haters on the low. They just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone, writing poems, cause I'm never on the road. And I'd rather. Cette année, en fait, t'as explosé tes perfs en force. Ouais, ça. Et là où, en fait, sur via les techniques d'intensification, tu allais faire avec le même poids que tu faisais tes séries avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, en fait, qui te fait progresser, tu vois. Stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to hold our chips. And thank God for our chance to breathe. So let us breathe in. See, ain't shit changed, but a bunch of people fell us. Reaching for the. François, tu fais des bonbons? Tu as un bonbon? Tu manges ça? T'aimes bien? Bon, les gars, on est avec un abonné. Hein. Il est content, il m'a dit ouais, je regarde les vidéos et tout. J'ai dit bah attends, bouge pas, on va demander à l'aise, comme ça tu seras dans la prochaine vidéo, quoi, tu vois. Par contre, faudrait que tu mettes un commentaire, du coup. Je suis obligé de mettre. Tu mets genre 13 minutes 11, c'est wham. Ouais. Pour me up a cup or two so we can stop the bleeding. Roll me up a spliff or two and now I'm hella weedy. Cause I'm feeling like I want it but I don't know if I need it. Took a few L's but a nigga undefeated. Same shit, different day, why this so repeated? If we don't talk no more it's probably cause I felt mistreated. Bad enough I don't hear excuses, trust me you could keep it. Saw it coming from a mile away once I peeped it. Caught up in that drama mama, I don't get between it. They be trying to. Putain les gars, c'était pas prévu. Du coup, il y a Arthur qui concourt demain, que je prépare, et du coup qui venait pour son check-up. On avait un peu oublié cette histoire. Donc là, on est tous ensemble dans le salon. Là, évidemment, on ne le voit pas, car Alex est en plan fixe avec son trépied. Mais on est tous ensemble. On a Chine aussi, du Japon, qui est venu. Ça va pas, Chine? Non, c'est vrai. On a Chine qui est là. Que notre ami de Tokyo, enfin d'à côté de Tokyo qui est là. Il y a François, il y a tout le monde. Du coup, Arthur, il est arrivé en mode bon, bah ok. Du coup, il a fait le bilan devant tout le monde. Et en plus de ça, devant la cam, ouais. Juste pour vous. Alors, je pense que franchement, même dans les commentaires, mettez-lui un petit big up quand même parce que franchement. De toute façon, la compète sera passée donc. Même si ça va, ça sera trop tard. Le mal sera fait. Ouais, le mal sera fait. Bah ouais, il est de bonne composition. Mais franchement, vous pouvez au moins mettre un. Bah après, s'il a chier, il a chier, mais il n'est pas à chier quoi. Donc bref, soyez cool franchement parce que c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais m'installer pour regarder tout ça et prenez votre popcorn, c'est parti. Souffle. Encore. Allez, pousse sur les bras. Pousse. Voilà pour les pecs. Allez, pousse sur les mains. Voilà, quand tu pousses un avec les pecs, il déchire. Bonjour. Allez les gars, c'est parti, c'est le jour J pour le top de Colmar. On arrive, c'est le début de journée, donc c'est tous les prêts du Jing. Là, genre deux athlètes qui ont passé, dont un où c'est sa première compétition. On va faire un petit tour, regarder si tout le monde va bien, checker les athlètes aussi, bien évidemment, regarder un petit peu le niveau et puis aller à la rencontre de chacun, faire deux, trois photos, serrer des pinces et passer un bon moment. Donc voilà, je vous invite à me suivre. Let's go. I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucker.
a été bon. Non, mais déjà, au moins, ils t'ont appelé. Ouais, ils m'ont appelé. T'as l'air bien en comparaison, etc. Ça, on va débriefer un peu, mais ça va bien. Ça va. Salut. Salut. C'est juste par rapport à tes cuisses, comment tu les tends, en fait. T'arrives pas tout le temps bien les placer, tu vois. Non, mais c'est, à chaque fois que je suis en galère, je réfléchis, je fais merde, comment je dois les mettre. Même de face, tu vois. Même de face. Des fois, t'arrives à bien les sortir et après, tu oublies assez. Mais bon, je pense que comme c'est la première aussi, peut-être t'es un peu dans le truc. Bon, là, des fois, on voyait que tu cherchais un peu. Mais oui, j'ai même passait, là, tu vois. Je me dis, allez, vas-y, je te demande, merde, attends, qu'est-ce que je fais. Mais franchement, non, par contre, en haut, y'a rien à dire. Là, le triceps, c'est la triceps cage, le triceps, il est déchiré, mec. Bah, le triceps, c'est mon point fort, c'est déchiré. J'arrive à bien le dessiner. Yeah, these niggas all square like Irving. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. Bon, ça va? Ça va, et toi? Là, tu stresses, hein? Non, ça va. La tête, elle est déchirée, mec. Hein? Non, là, la condition, elle est bien. Bah, on va regarder, mais c'est sûr. Try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her, park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree, I got the strength. Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Change ton slip-là, hein, direct. Hein. Bah, mets-toi dans le coin, c'est pas grave, les gens ils vont voir tes fesses, c'est pas grave. Hein. Du matin hier à cause de lui là. Moi je mets les lunettes parce que là les gars c'est on est au vert. Énervé en vrai. Hein. Vas-y, vas-y. Énervé en vrai. Hein. Bah, on essaye. Je suis calme. Ça bim! Wow, super! Mets-toi dans la lumière! Là! Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 20 ans que je viens ici et que je regarde les démos. Et aujourd'hui, je vais échauffer le mec qui fait la démo. François, les bras ont bien bougé. Hein. C'est sûr. Ouais, grave. Le ventre, la taille. Ah, parce que tu t'es arrondi des épaules, les cuisses et la taille, y a pas. Ah, c'est cool. One, two. Mec, je sais pas quoi dire. Alors, on s'apprête à monter sur scène pour faire la démonstration. Malgré le bruit ambiant, j'espère que le micro, ça ira, les gars. Bah écoutez, une fois de plus, j'ai pas révisé étant donné que je n'ai rien, comment dirais-je, envisagé de faire, enfin plus ou moins. Mais c'est là où il est le meilleur. Ouais. Il parle comme si c'était c'est un micro à la télé. Ouais, je parle... Hey, parle dans le micro. Non, mais en fait, à chaque fois j'improvise ce que je fais. Une fois, il m'a dit, ouais, ce serait bien, si tu bosses, ce sera exceptionnel. Une fois, je l'ai bossé, il m'a dit, improvise, la prochaine fois, c'est mieux. Du coup, on improvise.
Je sais pas ce que je vais faire, mine de rien, faut quand même que les gens y kiffent, donc on va essayer de faire des trucs sympas. Ah, ce qui est cool, pour la petite histoire, c'est que ça fait un peu partie des trucs, en étant français, hein, des trucs dans ma to-do list de bodybuilding que je peux cocher, entre de faire la démo ici, parce que bon, mine de rien, Tape de Colmar, c'est la plus belle compète de France. C'est la plus belle compète de France, on peut le dire. Et tous les plus gros à passer ici en guest posing, ouais. Ronnie Coleman, Denis Wolf, Denis James, Bonac, Marcus Rules, il y a eu du monde quoi. Donc, mine de rien, de le faire, c'est un truc de plus de cocher comme Olympia. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est ma première. Et comme mon premier Olympia, Julien était là aussi. Comme au final, à toutes mes premières, à ma carte pro, à mon premier pro show que je gagne, à mon premier Olympia, à mon premier guest ici. Donc voilà, je pense que Julien, c'est plus mon préparateur, c'est vraiment mon ami. Il y a très peu de gens, je pense, qu'avec un ancien préparateur qui peut vivre tout ça, complètement dénoué d'intérêt ou quoi que ce soit, juste le partager par amitié. Mais quelque part, tout ce que je fais, c'est un peu aussi les rêves de gamin de Julien aussi, quelque part. Vraiment, ouais, donc en fait, finalement, on le vit aussi ensemble. Et pouvoir le partager en tant de temps après encore, c'est, franchement, ouais, c'est cool et ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous demande d'applaudir, mais d'acclamer Théo le Guerrier! C'est bon, c'est fait. Tu veux couper, ça va, tu peux y aller. Ah là. Alors, de quoi on va parler de ça? On commence par quoi? Quelle journée! Oh. Quelle journée! Comment? Quelle heure il est? Non, 2h41. Quel week-end? Bon, ça va, hier c'était 4h. Quel week-end? C'était un bon week-end, hein. On a passé un bon moment. On a passé un bon moment, ouais, c'est clair. Moi j'ai passé un bon moment, ouais. Moi aussi. Mm. Bah écoutez, non, franchement c'était un bon week-end, c'était un bon moment, moi ça m'a fait vraiment plaisir de voir un peu tout le monde là. Franchement c'était vraiment cool aussi d'être sur un événement comme ça ou comme Colmar, moi j'ai... Je crois que c'était à 2 ans que je l'avais fait, bref. Et puis ce temps-là, il s'était quand même passé certaines choses dans ma carrière sportive. Pour que tu te marres. N'importe quoi. Oh. Il s'est passé quand même certaines choses dans ma carrière sportive. J'ai vu aussi que la notoriété n'est entre guillemets pas la même. Et que vous étiez surtout de plus en plus nombreux à me soutenir, machin, etc. Et c'était vraiment, comment dire... Appréciable. Non, mais pas appréciable, mais... Je sais, mais fais choix mot. C'était sincère, quoi. On a la communauté qu'on mérite. Bien sûr, et qu'on représentait la France, machin, et tout. Donc franchement, non, c'était quelque chose de chaleureux, qui me donne aussi vraiment de la motivation. Donc s'il y a des gens qui étaient là, fait chaud, qui regardent cette vidéo... Putain, ça va être insupportable. Je sais qui regarde cette vidéo. En tout cas, merci à eux, quoi. Et puis, bah, sinon, on a passé un bon moment entre amis, quoi. Ouais, grave. Hein, ça faisait un moment, en plus, hein, qu'on s'était pas vu. Ça faisait un moment qu'on avait passé un bon moment, vu que ça, on s'était pas vu depuis un moment. Non, mais c'est vrai. À un moment, faut le dire. Ouais. Hein, bah, dis-le, vas-y, comme ça, j'ai fait. Vas-y. Et comme vous voyez, on est un peu fatigué. On est éclaté, ouais. Demain, on reprend la route, hein. Pas le choix, quoi. L'autoroute du bonheur. Moi, je prends l'avion, moi. Comment? Je prends l'avion. Ah, c'est vrai. Bon, chacun son truc, toi, maintenant que t'es putain à Dubaï. Grave. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, c'est outro. Ne dites peut-être pas. Ah, c'est la plus mauvaise outro, je crois, qu'on est en train de faire depuis le début de cette chaîne. Mais voilà, faut le comprendre, on est fatigué, quoi. Les mots à Colmar, j'ai jamais vu à ce point, en fait. Moi, ils m'ont dit qu'ils étaient très contents. C'est principal. Que ce soit l'organisation, des gens qui ont l'habitude et tout, parce que ouais, mais façon, après, souvent les gars ils viennent, ils disent bonjour, au revoir, ils se cassent pas trop la tête, ouais, quoi. Là le but c'est de passer un bon moment tous ensemble, quoi. Donc pense que du coup quand c'est comme ça, les gens ils réagissent aussi, tu vois. Quand tu viens là, machin... D'ailleurs si vous avez loupé l'événement, j'ai fait un live sur juliensuel.com. Sur Julien Suel, Badou.fr. Ça existe encore, Badou? Wow. En tout cas apparemment tu connaissais. Badou, non.
Oh merde. Putain, on est passé avec de plus en plus cette vidéo. On est passé de la démo sérieux à 36-15 vues là quoi. Ouais. Et lui il demande que ça d'aller se coucher. Lui là, tu rigoles quoi, c'est pas ce qu'il demande. Non. Lui là. Non, il veut le rentrer, il veut aller se coucher. Lui là, voilà, c'est pas tout à fait ce qu'il demande. Si. Tu vas dire. Bah, je dis rien de particulier en même. Si, il est éclaté, il a rien. Il en a marre. Ouais. Vas-y, ils peuvent pas fermer leur gueule. C'est cool, hein, ça fait son petit effet. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Très très bien, le passage tranquille. Le petit mouvement de dos, là, le petit coup de bassin, là. Ah, les petits fessiers. D'ailleurs, allez voir, j'ai fait un live sur mon compte Instagram, ouais, Julien sur les coachings. Vous allez voir le petit coup de bassin de Théo Le Guerrier. Ouais, ça va le coup d'œil. C'était assez appréciable. Avec les petites vagues aussi du ventre, à un moment donné. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est moi qui lui ai appris de le faire, ça. Oh, la danse du ventre. Putain, mec, j'ai appris tellement de choses. Il est vraiment sérieux. Le mec, je l'ai fait passer pro Olympia, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le mec à Las Vegas, c'est le fait baltringue. Passer pro à Las Vegas, c'est là. Je sais même pas comment je suis fait pour passer pro. C'est joueur qu'il en a vraiment marre, là. C'est bon qu'il en appuie sur la table, sinon il tombe, il roule. Je vais pas te filmer la tête que t'as, là. Non, ouais, ok, on leur épargne ça. Ouais. Là, il va dire, putain, celui-là, il faut plus qu'il revienne dans les vidéos. Hein. C'est pas possible, je dois avoir une tronche, moi, là. Non, ça va. Sinon, t'es bronzé, c'est bon. Je suis bronzé. Ouais. En tout cas, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, du coup, comme je dis, à commenter, liker, partager, mettre des pouces bleus et tout ce que vous voulez. Passez une agréable journée, un bon appétit, une bonne nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ouais. Merci en tout cas d'être allé jusqu'au bout. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense qu'on en a perdu une paire. Là. Les viewers là, ouais, c'est chaud. Ouais, ça va être bien monté. Ça va être bien monté. Ils sont partis là. Et puis, bah, surtout quoi, n'oubliez pas que l'important, c'est essentiel. Je sais. Ciao.